Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors je suis quelque part dans la nature. Eh oui. Quelque part dans la nature à Paris. Je profite de l'occasion de faire cette petite vidéo. M'adresser à quelqu'un. Je crois d'ailleurs que si la personne a des enfants, ses enfants doivent écouter cette vidéo afin de pouvoir promulguer des conseils nécessaires à leurs géniteurs. Je parle notamment de M. Bantamasso, l'un des ministrions et le lèche-chemel d'Alpha Condé. Ceux qui ont trahi Alpha Condé. Je pense que le mieux pour lui, c'est de se taire une fois pour toutes. Vous savez, on dit que le silence n'est pas noir. Donc, Bantamasso doit se taire. Le ridicule ne tue pas en Guinée. Hein. Sincèrement, ces gens-là, s'ils veulent que les gens parlent d'eux, alors qu'ils continuent de parler. Il dit, je cite, on ne critique pas Alpha Condé à ma présence, c'est mon père. Ça, c'est pas du ridicule, ça, c'est rigolo. Monsieur Bantamasso. Alors, le premier fils d'Alpha Condé, je pense que c'est vous alors. Mais vous êtes indigne, sincèrement. Parce que c'est lui qui a délogé votre papa de son fauteuil. Il est devant vous, il est présent. Ça, c'est plus grand et c'est plus humiliant que les critiques. C'est plus touchant que les critiques. Sincèrement, je vous dis la vérité. Hein. Si vous méritez d'être digne fils d'Alpha Condé, vous devriez pouvoir faire quelque chose par rapport à cela. Vous savez quand même où se situe le colonel Mamadi Doumbouya, où se trouve le colonel téméraire Mamadi Doumbouya, qui a pris ses courages à bras le corps et qui est allé déloger votre papa. Il ne s'est même pas contenté de déloger votre papa. Il a délogé le système dictatorial, le système moribond, honteux, le système humiliant que vous serviez. Mais je crois que vous êtes un faiblard. Vous ne méritez pas d'être fils d'Alpha Condé. C'est ce qui est la vérité. Alors vous devez vous taire une fois pour toutes. Et si vous voulez attirer l'attention sur vous, et non, l'occasion n'est pas belle, mon cher. Restez dans votre bulle et vous aurez au moins un peu de respect. Le silence n'est pas noir, hein. Mais il faut que les Noirs s'entendent vivre. C'est un peu pour eux une manière d'être que de parler. Disait quelqu'un. Alors, mon cher Bantamasso, cette terre de démagogie et d'hypocrisie est révolue en Guinée. Nous voulons le changement, le véritable. Les blessures sont encore fraîches. Donc, s'il vous plaît, taisez-vous. Et puis, voilà, tout ira mieux, quoi. Merci beaucoup. Vous dispatchez au maximum la vidéo. Et je pense que ça sera un très bon conseil pour ce monsieur. Merci.